Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Repas Universalis 4 avec Damned. Salut Damned! Salut les gens! Et du coup, on se retrouve juste à la fin de notre guerre, on enchaîne nos épisodes. Ça s'était pour l'instant pas si mal passé, mais on va voir ce que ça va donner parce qu'on est tous les deux à un niveau de surexpansion, enfin d'expansion agressive assez porcin, n'est-ce pas? Oui, porcin, oui, je crois que c'est le mot, ouais. Je vais récupérer mes bateaux là. Ouais, porcin, clairement. Oh oui. Les flammes de Chobiti sont toujours en guerre ou pas? Non, ils ont terminé leur guerre. Ouais, ils ont terminé leur guerre avec eux. Ok, très bien. Bon. Bon. Pour l'instant, c'est un peu calme. Petit rapport de situation. Alors, les forts level 6 sont arrivés, du coup, je commençais à en faire quelques-uns. On est à poil de troupes, mais genre à poil de chat, poil de chez à poil. Et c'est toi qui as la main, donc si tu veux y aller, Allez, c'est vas-y. parti. Si j'ai Alors, la main. on va envoyer quelqu'un. Oh, nous avons rompu. Oh, l'Ottoman m'a déclaré en rival, mais non! Ah merde! Mais non! Ah merde! Mais pourquoi? Il t'aimait pas? Mais pour. Mais si, attitude envers Ottoman envers Normandie, allié. Mais d'un coup, il a voulu. Il devait plus avoir de rivaux valables. Avec l'Autriche, donc il a décidé que c'était moi. Gloops! Ça pue un peu ça par contre. Je vais améliorer les relations avec lui, mais enfin, à mon avis, ça pue. Hein. Du coup, tu peux laisser tomber les 37 000 hommes, hein, parce que comme c'est des particularistes autrichiens, ils sont partis chez l'Autriche. Donc, Parfait. Ça me moi, je va. vais filer ce territoire aux Valois. Alors, la Picardie, elle est Ouais, et là. puis Corbeil, c'est même pas pour la Provence. confiance, parce que si je regarde. Non, non, tu vois, il m'en veut même pas pour le fait de pas avoir donné. J'en ai donné en plus, quoi. On fait Bon, il chier a rompu quoi. l'alliance, moins 50, rival, moins 100. Point. Bon. Bon bah. Bonjour la Russie! Vous m'aimez bien? Non? Attends, on va en discuter. Moi c'est qui mes rivaux du coup? La Russie, l'Autriche et le Ming. Ouais, ça fait chier. Je peux faire une proposition de loi pendant ce temps-là. Et moi je peux prendre les Ottomans aussi, putain. On va prendre ça. Mais je veux pas être ennemi avec eux. Bah ouais, puis je vois pas trop. Ah non. Ça on peut prendre. C'est des terres de l'État, certainement pas. Soutien diplomatique, corruption, on s'en branle. 5 points des réformes gouvernementales, on Et je s'en suis branle. sûr que tu puisses être dans deux coalitions en même temps. Hein. Parce que tous les pays qui auraient pu m'ajouter et tous ceux qui m'ont ajouté, c'est que des pays qui sont pas dans la même coalition que toi. Alors soit c'est un hasard, Bah mais je si suis c'est le pas cas, sûr. tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Clairement. Oui. Faut pas dire Ça le veut dire que contraire. les coalitions vont être globalement plus petites et donc auront moins tendance à nous tomber dessus. Mais bon. Non, mais pas l'Ottoman. Fais Mais chier. ouais, l'Ottoman ça fait chier, hein, j'avoue là pour le coup, c'est vraiment relou. Ça parce qu'il peut plus avoir l'Autriche, quoi. Pff. Je sais pas, prends Bah. quelqu'un d'autre, les Timourides, j'en sais rien, moi. Ouais, puis c'est naze parce que. Enfin. Ça veut dire que le jeu est codé, non, genre t'es allié et tout, bam, le machin il en a branlé. Ça marque pour moi, à moins est-ce que ça n'est pas calculé. Attends, on va voir au nouveau mois, mais attitude, c'est marqué attitude envers moi allié. Mais attends, peut-être qu'au 1er août ça va se recalculer ça. Non. Ah si, ça y est. Compétitrice. Bah oui. Mais tu fais chier quoi. Bah ouais, moi pendant ce temps-là, les gens se retirent de la coalition. Mais du coup, je suis toujours allié avec lui, donc moi ça me protège, toi un peu moins. Ouais, c'est clair. Putain, ils te font mal les rebelles là? Ouais, j'étais pas à fond en morale, j'ai pas fait gaffe. Ah oui. Oui, alors Hanovre veut que je lui rende des territoires. Oui, alors, tiens, tout de suite. Rétrocéder. Ah non, non, pas rétrocéder.
Moi, il y a des gens on qui... est en trêve. Ouais, okay. On peut pas. Il y a des gens qui rejoignent la coalition contre moi, d'autres qui s'en vont. Ouais, ouais, bah c'est... Il y a beaucoup de mouvements de troupes, là. Il y a une guerre encore, là. Munster contre Geldre et la Lorraine. D'accord. Pourquoi pas. Et Hanovre, il est... Mayence, Els, Hull et Rottenborg. Ok, c'est le bordel dans le Saint-Empire. Défenseur face à Mayence dans la conquête mayencaise de Leipzig. Très très bien. On est à 183 points. Ouais, l'agitation dans le pays c'est un peu... Ouais si, ça s'est amélioré quand même. On termine nos légitimations. Donc bientôt, donc ça va baisser encore un peu. Ça je sais pas quand est-ce que ça se termine la révolte des Pays-Bas parce qu'il n'y a pas de date, c'est un peu chiant. Tu m'étonnes. Ah mais attends, mais je soumets pas le Portugal. Attends, c'est bien le Portugal mon rival. Ah non, l'Autriche. Je soumets pas l'Autriche à un embargo. Ouais, les flammes de Chobiti m'aiment mieux. Imposer l'embargo. Ah, on est en trêve. Ok, tant pis. C'est moi qui galère à faire ce siège là. Ah, mais il y a un fort ici à Rizel là. D'accord, pourquoi pas. Bon, bon, on a fait grossir un petit peu nos... Oh putain, 14 d'agitation ici. 14 d'agitation et t'es tranquille en train de t'entraîner dessus. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, IA là. Droit de douane sur les fourrures, on taxe! Parfait, tout ça, ça fait partie de notre patrimoine maintenant. Est-ce qu'il y a des pirates ici? Non, il n'y a pas de pirates, ils ont pas réenvoyé de pirates. Parfait. Bon, bah on a avancé un petit peu, même si c'est pas dingo non plus. Alors les grands territoires commencent à être un petit peu à court de possibilités pour grossir. Hein. Les généraux s'inquiètent. Coup de l'infanterie, coup de la cavalerie, coup des techs diplomatiques moins 10%. On s'en fout ça, non? Ouais. Prêtons un peu plus d'attention à l'armée. Alors sachant qu'il faut que j'améliore mes bateaux. Je vais envoyer à un endroit où il y a un port. Et que ça coûte 3000 balles! Rien que ça. Bah, du coup, on va peut-être. Ah, mais dans un point, je peux prendre la stab. On va prendre la stab. Ou alors, on va cramer deux fois les. On va peut-être cramer deux fois les trucs. Pareil, maintenant, on pourrait faire de la répression implacable et gagner de l'absolutisme, mais le problème, c'est que j'ai besoin des points militaires, quoi. Voilà, 200, on prend un point de stab, ça va aider à calmer un peu cette zone, tant pis pour les sous, on fera les bateaux plus tard, de toute façon, on est déjà hyper en avance maritimement. Notre vrai problème, c'est les troupes, donc du coup, il faut pas que ça pète. D'ailleurs, le colloque de Cambridge, propagation des institutions, plus 15%, ah ben, parfait. Ce que je peux peut-être faire, c'est faire des états ici, histoire que ça gueule encore moins. Et boum, on légitime. Et ça c'est quoi l'état, c'est ça? Et, on n'a pas assez de points. Ah, et on a trop peu de sièges au parlement. Et bah j'ai envie de dire que ce qu'on va faire, c'est que la haie va devenir un siège au parlement, voilà. Bon, on jouera pas absolutisme dans cette partie. Clairement. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Les Pays-Bas déclarent leur indépendance? À quel moment? Eh, c'est ingérable ce truc, hein. Ah, mais complètement, hein. Putain, ça m'appelle oh aux armes. Pour l'instant, il y a que les Pays-Bas. Mais je suis en exil chez eux, quoi. Non, mais sérieux. Mais tu le vois arriver sur place en exil, quoi.
Tu la vois arriver la le fameux combo alliance guerre immédiate? Bah je le vois arriver, ouais. Je vais enlever la pause puis on va voir. Voilà, Autriche a voilà. conclu une alliance. Voilà. C'est les mêmes. Espagne a conclu une alliance. Bah normal, hein, c'est les rivaux. Hein. Bon. Bah t'étais chaud, non? On y retourne? Ouais. Bah ouais. J'ai pas la moindre idée de pourquoi. Franchement, non, là, alors j'ai fait un état, mais du coup c'est descendu en dessous de 80, donc je sais pas pourquoi. Eh ben, chaud patate, hein. Bon, j'ai autant de troupes que l'Espagne après, hein, mais bon. Ouais, bah après de toute façon va falloir faire tomber mais putain mais ça m'énerve, mes troupes qui étaient dessus, qui comme sont en ont... exil, c'est abusé quoi. L'Espagne toujours pas de réserve hein, de toute façon de ce côté là, donc mais bon. Non, ils ont instantanément 12 000 hommes, je vais être obligé de retourner à Calais puis de revenir, putain. Alors l'Autriche pour le moment n'est pas venue, je suis pas sûr qu'elle vienne, elle viendra du coup. Elle doit être en trêve contre nous. Ouais. Non mais par contre je vais aller les défoncer, déjà, voilà. Et puis on va arrêter les conneries. Ah, je suis obligé de passer par les bateaux. Pff, quelle plaie. Après, il y a l'Ottoman. Bah, l'Ottoman va gérer le Ming en soi. Si le Ming arrive jusqu'ici, déjà. Ouais, le Ming, je pense qu'il va se concentrer sur mes colonies, mais on survivra. Par contre, je vais faire gaffe à mes 5 bateaux qui traînent, parce que je pense que l'Espagne. Oh! Tiens, bam, populace néerlandaise sur les Pays-Bas, dans ta tronche, Pays-Bas. Ça t'apprendra. Allez, faut débarquer là. T'arrives quand là, putain? Je peux me poser là-bas, on va se poser là-bas plutôt. C'est beaucoup plus rapide. Allez, cette troupe là. Hollande rejoint la République des Pays-Bas. Sérieux quoi. La Hollande rejoint les Pays-Bas du coup. Oh là 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 là, comment ça veut partir en couille, ça part en couille hein. Ah bah au moins y'en a qui vont pas s'ennuyer, c'est bien les viewers hein. Ah ça c'est clair ouais. Bon, on va commencer à aller foutre la merde dans les colonies du coup, nous aussi, parce que pas tout ça, mais... Il s'agirait pas non plus de glander, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Ces bateaux-là, là, y a des bateaux qui sont trop vieux, on les améliore, allez, boum. On a un navire lourd ici, d'accord, très bien, pourquoi pas. Allez, on va utiliser les bateaux pour débarquer aux Pays-Bas, et dès que c'est fait, on va poutrer de l'espagnol. En avant. Pour le moment, je fais un ou deux sièges chez lui, j'en profite qu'il n'est pas encore regroupé et que j'ai quand même des troupes dans le coin. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je vais essayer de faire tomber le plus vite possible ces cons, là. Allez, il y a 40 000 hommes de l'Espagne qui se ramènent, merde. Et qui me sautent dessus, à mon avis. Ouf. À moins que... Ah, on dirait que les autres ont fait demi-tour. Et attends, j'en ramène encore. Bah, s'il veut bien se prendre déjà une petite gifle comme ça, l'air de dire, moi ça me va. Hein. Je vais les ramener là-bas vite, les autres par contre, après dans la foulée. Alors. Bon, il a pris une gifle. Sérieux, il faut tout ça pour le blocus? C'est une blague? On va détacher. Par contre, ça. Il a dû déclencher des events parce qu'il est repassé à 22 000 de réserve. Un peu d'un coup. Ouais, ça suffit pour faire le siège, c'est parti. On va aller s'occuper des Espagnols avec nos bateaux. Mais ouais, si à un moment t'as moyen de descendre des troupes pour venir en soutien, on pourrait même l'empêcher vraiment de remonter chez moi. Bah, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais raser le Portugal et on va les Pays-Bas. On va voir si ça suffit pour qu'il s'y... Parce que c'est une guerre d'indépendance après tout, hein, donc... c'est vrai, c'est vrai. Pas non plus, c'est pas non plus la teuf, quoi. On va aller se poser à Gibraltar. Ah, il y a des bateaux espagnols là, demi-tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Commerce intercolonial, colonie britannique. Ouais, parce que
Portugal. Oui, la Louisiane, elle va se détendre deux secondes. Comment ça se passe, les colonies? On fait des sièges ici. Ici, on tabasse. Ouais, ils tabassent de l'espagnol. Très bien, ça me va. Les Pays-Bas sont en train de faire un siège chez moi, tu vois, j'avais même pas vu. Ouais, je m'en occupe bientôt. Oui, non, mais ça m'inquiète pas vraiment. Hein. C'est vraiment pour dire. Hein. Attends, ce qui m'emmerde, c'est qu'ils recrutent des troupes pour l'instant. Je fais peut-être de la merde là, faut peut-être que je revienne avec mes bateaux en fait. Ouais, bah complètement. Ah, le Portugal m'aime bien, bah écoute, fantastique. Ouais, j'ai fait de la merde là. Repliez-vous. Il est remonté à 45 000 de réserve l'Espagne, vite fait, tu sais, il a dû faire les. La claquette du professionnalisme ou un truc, ouais. C'est ça. Oh putain, bah tiens, quand on parle du loup. On va refaire comme tout à l'heure, hein. Sauf que là, s'il y en a peut-être 60 000 derrière, ça va me faire drôle, mais on va voir. Ouh, le siège qui tombe juste au bon moment. Ouais, ça c'est le bon. C'est ça beau. C'est le, pour une fois que c'est dans notre sens. Ah ouais, j'avoue. Ça c'est GG ça. Ouais, je leur fous une claque là. Notre reine est morte. Oh diantre. Ça tombe bien, c'était une reine portugaise. Allez, il a repris sa petite gifle. Bon là oui j'ai merdé, j'avais pas fait gaffe, il avait 26 bateaux le Pays-Bas, il a instantanément eu 26 bateaux dont des navires lourds et tout quoi. Du coup il a défoncé ma petite flotte que j'avais laissée. Alors qu'est-ce qui se passe? Les échanges, une tribu papou demande notre aide pour 40 ducats. Bah oui 40 ducats. On vous aide les gars, y'a pas de problème. On va d'ailleurs récupérer peut-être quelques colons à droite à gauche. Hop, on enlève la pause, on récupère deux colons. Et on va aller faire chier peut-être des gens. Ici. Ça fait 29 000 hommes ouais, qui ont fini le siège de Groningue au Pays-Bas. On va pouvoir les ramener. Oh putain, la vache, le détour quoi. Les bateaux. On peut détacher les bateaux de transport, ça c'est pas un problème. Il va pas défoncer mes 26 navires lourds, un navire lourd comme ça. Vous embarquez, vous débarquez à Calais, on a terminé le siège de Mexico. J'ai fini les deux sièges, mais j'ose pas trop rentrer plus dans son pays quoi. Attends, on a mon réformateur qui est mort, faut que je repeigne un conseiller militaire, défense des forts, vitesse de renforcement. Oh putain j'ai que des plus 1, sérieux, j'ai que des plus 1 quoi, ça puissait. Bon le seul avantage qu'il y a là, pour le moment, c'est que je vais avoir le temps de le voir venir. J'ai pris l'abord et je sais plus comment ça s'appelle à droite. Il y a les Pyrénées au milieu, donc il va arriver soit à gauche, soit à droite. Et j'aurai le temps de lui sauter dessus avec le bonus. Mais je vais pas rentrer dans son pays, je pense que c'est trop risqué. Non, pour l'instant, reste là. Je vais terminer les sièges qui prennent des plombs. En plus, non, mais j'avais amélioré les forts au level 6, quoi. Et c'est lui qui en profite, c'est abusé. Tu sais quoi, je vais faire pareil, même si je suis pas sûr qu'ils seront construits à temps. Mais je vais améliorer mon Narbonne au moins. Allez, c'est parti, on rush ces cons. A mon avis, c'est long à construire, à améliorer, mais bon. 1640, 19 octobre, c'est jouable. Ah, il se replie, il m'a vu arriver, il se replie. Mais après, s'il se replie, ça veut dire que moi aussi je peux passer. Coucou. Donne-moi tes 20 000 hommes là, que t'as eu gratos là, ils sont à moi ces hommes. File-les-moi. C'est mes hommes. T'avais bien amélioré tes troupes d'ailleurs à la fin de la guerre, toi. Oui. Ah bah oui, je pense que ça m'a aidé là aussi à gagner. Bon, il fait des 8, normal. Il a 148 000 hommes, 151 000 hommes, ouais. Allez, on va stack wipe. Une rébellion en Toscane. Boom. Ah, voilà. Tant pis. Alors on a réussi à convertir, bah c'est super, je voulais commencer à convertir eux, sauf que je peux plus. Putain. On a toujours zéro de siège, mais il faut faire quoi pour gagner cette guerre? Défendre la capitale. Ah, il faut prendre la capitale des Pays-Bas, donc ça se trouve, dès que je l'aurai prise, ça va être cadeau, quoi. Le Ming, il fait des réseaux chez moi, j'ai envie de dire, grand bien lui fasse. Ah, mais il est en train d'assiéger des trucs chez moi. Ah ouais, il a 30 000 hommes sur... Olawai. Ok. Si ça t'amuse.
éclate-toi, j'ai envie de dire. Voilà, Bruxelles, c'est à nous. De toute façon, tout ce territoire est à nous. Ah, ça y est, 30 000 hommes de l'Espagne qui arrivent, qui font demi-tour. Ok. Ah, l'Espagne qui sème la discorde. Ah, il commence à y avoir un peu de monde, ouais. Il sait pas trop quoi faire, là, l'Espagnol. Il stat, ouais. Je vais lui tomber dessus, tu vois, ça va être vite vu. Hein. Ouh, prolifération des mousquets, 2-5 de professionnalistes de l'armée. C'est propre. Allez, la haie est tombée. On a gagné 8% du coup. Bon, je lui tombe dessus du coup. J'arrive. Non mais ses troupes, elles m'énervaient là, et avant qu'ils reviennent, et hein, je suis en train de lui mettre une grosse fessée. Je prends les deux dernières provinces, et je me pointe. Alors attends, j'ai plein de trucs qui ont popé. J'ai défoncé ses troupes. La technique marche bien. 20% de capacité de siège, ça me va. On peut prendre une décision nationale. Standardiser les uniformes. Ah bah oui. Go. Plus de professionnalisme, on prend. Bah notre missionnaire, on va le garder pour quand on aura terminé de gérer ses cons. Il va me falloir quelques galères quand même. Allez, c'est parti, on va en Espagne. En tout cas, ça a bien marché. Hein. Je vais tomber dessus dans l'angle, je recule, il est obligé de venir, il peut pas rentrer chez moi. Franchement. Et t'as réussi à stack wipe ou pas? Non, j'ai pas stack wipe par contre. C'est chaud le stack wipe. Mais j'ai mis une belle gifle. Ah, il lui reste des bateaux. Bon bah tant pis, on va les buter avec nos bateaux de commerce. 142 000 hommes. Amiral. Ah, il nous a coulé un bateau, un deuxième. Derrière, il prend cher, hein, le Hollandais. Bam, voilà, allez hop. Donc t'as tout pris, hein, là-bas. Normalement, tout est pris, ouais. Je vérifie, mais vu où vont ces bateaux, je pense que c'est bon. Allez, ici, on va choper les trois bateaux espagnols qui traînent. Ah oui, tu rentres... Oui, d'accord, tu te mets direct à la bord. Bon, au pire, tu t'en fous. Oui, je me suis mis là, mais ouais, non, c'était peut-être pas pertinent. Je vais reculer en attendant les renforts. C'est au cas où qu'il te saute dessus et qu'on le voit pas, mais. Ah, on suit, on attend tranquillement. Plein de pop-up, un nouvel établissement, qu'est-ce qui se passe? Gain de sang ou 1 de valeur fiscale brute, on prend ça. Une carrière à l'armée, 15 de tradition terrestre, les bourgeois perdent 10 en loyauté. Ou alors on gagne 2-5 de professionnalisme. On prend le professionnalisme. Par contre, ce que je comprends pas et que je n'aime pas, tu vois, dans le jeu, là, pour le coup, l'opinion ottomane envers Normandie s'explique par moins 47, alliance rompue. Mais c'est eux qui l'ont rompue. Ouais, ça c'est toujours le cas, ça je suis d'accord, c'est très très chiant. Qu'à la limite... Même... Ils t'aiment si pas, c'est... même quand c'est eux qui ont pété l'alliance, c'est... moi aussi ça m'insupporte, ça, je comprends pas. Ouais, le malus, il est bizarre, hein. Franchement... Il y a bien moyen qu'on lui mette une fessée à l'Espagne pour le coup. Ouais, je pense aussi, ouais. Les colonies, déjà, on est en train de lui marcher dessus. Oh, les Autrichiens, les 37 000 là, qui font. Ah bah, ils viennent de disparaître sous mes yeux, mais. Ah non, ils sont toujours là. 37 000 particularistes autrichiens là-bas. Tu sais que tu m'avais dit. Les laisse-les ouais, ils vont en Autriche. Ils tourneront sur les provinces là. C'est très bien. Je sais pas vraiment si ça va régénérer une indépendance ou un truc à un moment, on verra. Ça aurait été cool. Alors, le siège de Tlaxassa, parfait. Alors, est-ce qu'on a un autre siège à gérer? Je crois qu'il y a là-haut, la capitale, c'est parti. Brabant rejoint la République des Pays-Bas. Ah putain, quand je vais le récupérer... Ah mais putain, mais à chaque fois, du coup, il récupère des troupes. Merde, et une province. Faut que je le remonte, du coup. Putain, oui, d'accord. Il a récupéré 5000 hommes. Ah, peut-être que la Picardie va s'en occuper. Sur Ayrton machin, là? Ouais. Ah, il a l'air. Dans le doute, on va lui dire de le faire, mais... Oh putain, au moment il y en a 5 qui pop, mais il devrait les buter, normalement. Il y en avait déjà 5. C'était les 5 du Brabant. Ah ouais. Ah, parfait. Et c'est pour ça que ça me faisait chier, parce que du coup, il récupère le Brabant, pouf, 5 provinces, et puis après, cadeau, il a les troupes, quoi. Ah, il les a pas stack wipe, il est trop faible. Merde. Bon, je vais quand même renvoyer des renforts, tant pis. Ça devrait suffire ce qu'on a ici. Ah oui, mais c'est pareil, attends, pendant que t'es là, bouge pas. J'enlève 36 000 hommes à droite.
Je vais juste vite fait gérer ma rébellion en Italie. Vas-y. Et je reviens. Je vais me poser à ta place. Voilà, c'est ça, tu te mets sur le Narbonnais. Ouais, c'est le Carcassonnais, pardon. De toute façon, ça me fait tranquillement refaire mes réserves, parce que minimum, ouais, vas-y, j'ai zéro depuis un moment, là. Pas de soucis, hein. Bon, ils montent à 160 000 hommes, hein. L'Espagne, là, par contre, ils recrutent à mort. Hein. Bah ouais, c'est un peu le risque, c'était d'attendre pour ça, mais je pense que... Ah, il a retenté le 31 000, juste au moment où j'arrivais, ouais, là. Et il est reparti dans la foulée. Oui, oui, bah il a vu que ça bougeait, il s'est dit, tiens... Donc c'est ça, il attend, il est pas loin, hein, c'est sûr. Mm. Je vais redessiéger mes trucs de rébellion. Allez, ici, il faut qu'on lui saute dessus, là, ce con, parce que ça commence à bien faire. Sans général, on y va à 30 000, ils sont 4 000, ça devrait passer quand même. Pas se foutre de ma gueule. Super bien, oui. Voilà, stack wipe, ça c'est fait. Bah du coup on va les laisser dans le coin, tant pis, c'est chiant, mais... Bah laisse-en peut-être un peu moins, non? Parce que 30 000 ça fait bah, beaucoup. Bah ça dépend, tu vois, si genre tout à l'heure Liège rejoint les Pays-Bas... Mais c'est une alliance ou c'est qu'ils leur donnent des territoires? Ah mais en fait c'est qu'ils rejoignent les Pays-Bas, c'est-à-dire qu'ils deviennent les Pays-Bas et toutes les troupes et tous les territoires appartiennent aux Pays-Bas. Là les Pays-Bas que j'avais, ils ont déjà gagné 3 provinces parce qu'il y a la Hollande qui les a rejoints et le Brabant. Oh la violence, putain. Du coup, si Geldre ou Liège décident de les rejoindre, bah t'as l'intégralité de Geldre et de Liège qui les rejoignent, quoi. Putain, c'est avec chaud, les troupes qu'ils ont, avec tout leur territoire. Bah si après, quand on gagnera la guerre, je les récupère, ça me va, hein. Mais, oui, c'est pas sûr. Mais sans déconner, quoi. Alors du coup... Est-ce que... Comment ça se passe, du coup? Faut que je reprenne les territoires? Bah après, ce qui est surprenant, c'est que j'ai l'impression que tu pourrais presque... Tu pourrais pas mettre fin à la guerre. Juste pour voir, hein, je te dis pas de le faire. Bah, mais... Non, mais tu vois, je suis en train de regarder justement comment ça se passerait. Là, c'est un peu inédit. La paix blanche, c'est une paix blanche. C'est-à-dire qu'il se passerait rien. Mais je vois pas de terme... Annuler des traités... Oui, tu veux dire, pour toi, l'indépendance, elle est faite, quoi, donc à partir de là, même si... Je peux leur demander d'admettre la défaite. Comment ça se passe, ça? Ah. Ça fait quoi? Pays-Bas admet sa défaite. Point. Ouais, ça coûte que 10%, à mon avis, c'est une idée de merde, ça sent l'arnaque. Alors, il n'y a rien qui te permet de... Bah, je vois rien. Je peux pas les vassaliser, c'est 168%. Je peux leur demander d'abandonner les revendications, admettre la défaite, détourner le commerce. Enfin, c'est des trucs classiques, quoi. En gros, tu te fais baiser tout ça. Bah, et puis, je dois les reprendre, mais c'est abusé, quoi. Mais ouais, franchement, je comprends pas trop, là. Une guerre d'indépendance, normalement, ils perdent la guerre d'indépendance, ils lâchent l'affaire, quoi. Bah oui, c'est le principe, on est d'accord, oui. Bon, de toute façon, pour l'instant, le score est trop bas, on va aller en profiter pour défoncer l'Espagne, puis ça lui fera les 1. Oui, ça c'est sûr. Les parties, bon, on va dire. Je suis pas sûr que derrière... Mais ouais, bah, c'est limite, abusé, moi, quoi. Si ça me donne l'occasion, mais je sais même pas si on pourra, de récupérer les deux territoires espagnols qui sont en plein milieu du pays, je t'avoue. Ah bah, de toute façon, on va faire une paix séparée, hein. On va piétiner l'Espagne parce que c'est cadeau, je vais piller des colonies, on va te filer tout ce qu'il faut, enfin non mais c'est bon, là, maintenant ça va être des conneries. Il y a un moment où voilà quoi. Ouais, faut arrêter de nous prendre pour des jambons, quoi. C'est ça, les jambons c'est bien, mais c'est bien. Exactement. On va envoyer quelqu'un faire un petit réseau là-bas. Hop. Ouais, donc il y a 30. Il a ramené 25 000 hommes à la bord. Ça, il en ramène un peu plus. Tu veux qu'on les saute dessus? Tu lis dans sur ce coup-là. Il y a moyen. J'ai 36 000 hommes à côté, franchement, qui vont y aller. T'as 20 000 hommes. Ouais, y'a moyen d'y aller, franchement. Allez, go. On y va. Juste, je mettrais bien général un peu mieux, attends. Si t'as manœuvre. Ça. C'est quoi qui serait intéressant? Le feu, à la limite. Le choc. Tu devrais désactiver la marche forcée de tes troupes à droite, parce que ça leur bloque aussi tout ce qui est regain de... remonter exact. Les puissances et tout, là. Exact. Attends, juste lui, je vais mettre... Je vais changer les généraux. On va prendre lui là, et là on va mettre lui. Voilà, comme ça j'ai deux bons généraux pour la bataille. Le temps qu'un peu revienne. Juste avant d'enlever la pause, regarde... Pas de soucis, vas-y. Plus 3, il me coûte 17, oui on prend. Allez, viens toi.
Un Sulawésien anglican, parfait. Plus 3, discipline, plus 5%, c'est le mec qu'il nous fallait. Quand tu veux. Attends, je lance quelques constructions pour avoir des troupes en plus, comme ça je vais essayer de me refaire une armée en plus tard. Allez, let's go, on va bien voir. Attends, je vais essayer de choper ces bateaux qui font n'importe quoi là. Son vieux navire lourd pourri là. S'il ramène pas des troupes d'un coup, on va le battre. Ah, attends, j'ai gagné une bataille dans les colonies. Ok, très bien. Il a fui, parfait. Tu peux reculer tes troupes. Tu veux pas qu'on avance? Bah, si, il va falloir, mais si t'es chaud, toutes tes troupes sont ok. Allons-y, faut y aller. Hein. Je vais être obligé de laisser mes 30 000 hommes en haut de toute façon, donc. Bah dans ce cas là... Pendant qu'il est en train de reculer, c'est parti hein. Regarde, même la frise orientale y va. Je vais me poser sur Barcelone. Ce qu'il va falloir prendre rapidement c'est Pyrénéos, comme ça ça bloque tout. Enfin ça bloque pas tout mais ça bloque une partie. Oh c'est quoi ces 47 bateaux là, coucou. Ah bah si tu te laisse, oui, t'as une armée complète, je te laisse les prendre, je vais m'occuper des merdes autour. Ouais, t'inquiète pas. Je vais faire sortir ces 47 bateaux là. Ça devrait les calmer un peu. Est-ce que c'est lui mon général qui a beaucoup de sièges? Non, c'est pas lui hein. Bah il a deux quand même. Ah non, il a un. Ah l'autre a deux, ouais, ok. Effectivement, t'as des bons généraux assiégeants. Mais je me demande s'il me manque pas un général là-dedans. Si tu veux mettre pause pour surveiller des trucs, vas-y. Hein. J'ai un général qui fout rien. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Allez hop. Ah, j'ai perdu des tonnes de bateaux de commerce, ils m'ont mis une claque. Merde, où ça? Vers chez toi. Ah putain, ouais, je suis en train de m'occuper de l'autre flotte, fais chier. C'est pas grave, je les reconstruirai, c'est pas grave. Et 25 navires lourds, ouais, ok. Il est en train de venir en renfort en plus, mais je devrais le défoncer quand même. J'en ai 64. Ah non, bateaux vont se faire recoincer, putain, ils sont partis au Finistère. Non, c'est bon, pardon. C'est non, ils sont, ils sont dans le. Ouais, non, mêlez en. Ouais, rangez-les bien. Bien comme il faut. Ouais, je vais en reconstruire, c'est pas grave, c'est pas le coup que c'est. Allez, je relève la pause en speed. Vas-y. On va attendre la fin, c'est la fin de l'épisode, mais on va attendre la fin de la bataille navale quand même parce que. Ouais. Je pense qu'il y a moyen. J'ai pas envie que ça recalcule débilement. Au début du prochain épisode. Bon, je peux avancer sur le Burgos pour commencer à faire le siège. Ah, ou si tu veux y aller avec ton armée K2 de siège. Non, vas-y. Enfin, j'arrive avec toi. Ça. Au pire, on va peut-être avoir un peu d'attrition par contre. Putain, grosse bataille navale là, hein, la vache. Ouais, j'avoue. Je serais bienvenu, mais j'ai pas mal de bateaux qui sont en sale état, alors... Non, mais il doit avoir des... Bah déjà, il y a son amiral qui joue, et puis il doit avoir des... Attention, il y a 45 000 hommes qui vont à Palencia. Ok, il va où après? Oh, il va venir sur toi. J'ai la main sur le bouton pause. Ouais, il vient sur moi. Alors, le problème est que... Oui, j'arrive. Le problème c'est comme on n'a pas le siège au milieu, on est obligé de faire tout le tour pour venir à l'aide. Ça peut être un gros problème s'il a des troupes derrière. Mais je vais venir quand même. Moi je vais rester là au cas où il décide de venir par ici. Mais je vais en renvoyer. Mais là ouais, avec le siège qui est en cours. Alors... Ah putain, j'aurais dû mettre mon armée. Ah mais je fais des zéros en plus à chaque fois là, sérieusement quoi. Ce que je peux faire, c'est que j'ai mes 36 000 hommes qui arrivent sur Piri machin, qui sont à droite. Et les troupes qui sont en train de faire le siège, je peux les dégager à gauche et venir en renfort. Au pire, je vais faire ça. J'attends juste que les 36 000 arrivent. Ouais, on va faire ça. Tu veux que je pose mes troupes sur ton siège pour aider? Pour le faire, le contenir en attendant? Comme tu veux. Je vais envoyer mes 36 000 qui sont là. Bah, je vois que tu les as passés en marche forcée, donc j'imagine que tu veux les bouger, mais... Les 36 000 qui sont à droite vont venir à Pyrénéas et ceux qui sont à Pyrénéas vont bouger à gauche pour venir aider à la bataille. Mais si tu veux venir en plus et que je rebouge après deux fois mes troupes à gauche, ça me va aussi. Hein. Bah je vais me poser sur Pyrénéas pour... De toute façon mes troupes servent pas à grand chose, j'ai pas de général, j'ai rien. Vas-y. J'ai mis mon seul général du coup sur,
Là où il allait avoir la Du coup, bataille, tant histoire de pis. pas continuer à commencer à poil. Ouais, tant pis. On va au moins essayer de gérer cette bataille-là avant la fin, parce que je suis pas sûr de me souvenir de mes moves. Allez, Tant c'est pis, c'est un parti. petit peu long, mais au moins... Ah, il a changé d'idée du coup. Il se replie. Haha, petit con. Je serais bien eu choper ses troupes à la Riora, mais je pense qu'on peut pas. Ouais, non, je peux pas les choper. Si je passe en marche forcée, je peux de les toute façon, il choper. Si suffit je que... passe en marche forcée, je peux les choper. Bah vas-y, parce que de toute façon je vais venir avec avec mes troupes quand même. On va finir le... Il faut qu'on finisse ce premier siège et après ça va être déjà un peu plus ouvert par là. Ouais, c'est On pourra clair. circuler gauche-droite quoi. C'est surtout ça qui est important. J'enlève la pause. Vas-y, vas-y. Putain, il me fait mal avec les bateaux, hein. Je pensais pas que... Allez, j'arrive. Il serait aussi puissant. Putain, il ramène ses 45 000 hommes du coup. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'inquiète pas, ça va le faire. Il a 66 000 hommes. Non, on peut pas y aller, on est d'accord. Si tu bouges, ça fait tout le tour, on est d'accord, putain. C'est le seul problème. Ah, Ça mais t'as encore devrait... 36 000 hommes, ça devrait le faire. Bon, moi, mes bateaux sont arrivés en renfort, donc là, normalement, je devrais le défoncer. Je pense qu'on devrait lui faire mal quand même, là, mais bon. Oh putain, il a eu un beau gain Ouah. de morale. Ah! Aïe, aïe, aïe! Ouh là là, y a un siège qui est tombé, c'est où? Ah, oh, putain, c'est dans les Je vais péter colonies. le... On est à combien? On est à 43% de chance que le siège pas finisse. J'ai pété les murs. Si ça passe, on peut foncer. Si ça passe pas, y a pas de soutien. Et là, on est mal. La bataille navale est terminée déjà. Ça m'a coûté la peau du fion. Ouais, à mon avis, je pense que la bataille va être perdue. Ouais, c'était sûr, ça. C'était sûr que ça puait du cul. Aïe aïe aïe. Waouh! Ouh. Ouais, puis du coup, il va falloir qu'on se replie à côté parce que. Il va certainement nous sauter dessus dans la foulée. Défaite. Là, le siège qui tombe pas à 64%, putain. C'est abusé. Bon, bah Ouais, du bon, coup, ce qu'on va voilà. Voilà. faire, on va arrêter l'épisode là. C'est pas grave, il n'y Oui, a oui, rien oui. encore de perdu. Ça fait un peu chier, mais ça va. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis bon, on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.